deux semaines que je n'avais pas fait du sport, donc j'ai saisi l'occasion pour en tout cas faire mon sport avec une communauté bien mobilisée ici, et une jeunesse très dynamique et mobilisée, et qui a compris ce soir que la pratique du sport permet d'améliorer la santé. Et nous avons voulu saisir cette opportunité pour mobiliser beaucoup de gens pour commémorer la journée, qui est une journée que nous allons consacrer pour rendre hommage aux donneurs de sang, pour rendre hommage à toutes ces associations bénévoles qui travaillent aux côtés du ministère de la Santé pour mobiliser des donneurs afin que nous puissions mobiliser et avoir ce produit dans nos différents hôpitaux pour sauver des vies. Aujourd'hui, nous sommes tous bien portants ici, mais nous ne savons pas qui de nous aura besoin de sang demain. Et pour en recevoir, il faut déjà savoir donner. Et donc c'est un appel à toute la communauté pour qu'ensemble nous puissions nous mobiliser pour créer la demande et faire en sorte qu'il y ait une mobilisation communautaire en faveur du don de sang. L'une des conditions pour donner le sang, c'est d'être en bonne santé. Et comme M. le ministre l'a dit, pour être en bonne santé, il faut pratiquer le sport. À partir d'un certain âge, le sport permet de se maintenir en bonne santé et d'éviter un tant soit peu un certain nombre de maladies comme le diabète et l'hypertension, qui sont des contre-indications au don de sang.